messieurs, le professeur Nestor. Merci, merci. Bienvenue à l'Università di Castoro. Aujourd'hui, nous allons voir comment lâcher un banc, mais pas n'importe lequel. En effet, je vais vous montrer que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous allons voir comment faire un petit but. C'est vraiment ça qui est important. Pour cela, il faut bien choisir sa période afin d'éviter le mouchetage merdeux et avoir un banc bien gonflé. Nous voyons ici une image. Oh putain, vous en voyez une image, oui ou merde. Bon, je préfère ça. Alors, comme je disais, le tronc doit encore se trouver dans le couloir. Dans le jargon, on dit avoir la taupe au guichet ou le cigare au bord des lèvres. Et tac, il se coince, vous voyez. Bon, ensuite, l'air arrive de l'estomac et va aller passer par-dessus le camoulot coincé ici. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va en prendre l'arôme. Ensuite, quand il sort, eh bien, il est déjà tout parfumé. Il a pris le goût et est enfin prêt à être soufflé à l'extérieur. Bon, maintenant, je vais vous montrer la technique pour bien pousser de façon à obtenir un banc parfait. Ah, tiens, voilà, pourtant je monte. Je vous jure, des fois, il y en a qui mériteraient des mouflettes. Donc, comme je disais, il faut pousser. Sur la pointe des pieds, contractez bien l'abdomen. Toi, mon con, tu vas y avoir droit. Ensuite, il vous reste plus qu'à détendre les muscles et à tout lâcher en une seule fois, ce qui donnera un banc parfait. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine, hein? La semaine prochaine, nous verrons comment péter un rafale et lâcher les muscles.